Île où l'on ne prendra jamais terre, île où l'on ne descendra jamais, île couverte de végétation, île tapie comme des jaguars, île muette, île inoubliable et sans nom, je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous. Il y a 15 ans, j'étais en Chine, alors vous voyez que j'avais su user et abuser de la liberté qui m'était donnée par tous ces moyens de transport admirables et qui coûtaient rien. On foutait le camp, on voyageait sans papier, il n'y avait pas besoin de passeport et personne ne s'occupait de toi. J'étais bijoutier, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais voleur de chevaux, j'ai fait du cinéma. J'ai accompagné les immigrants de Lituanie à New York. Je me suis bagarré avec des Chinois, avec des Allemands, avec des Polonais, avec des Sud-Américains. J'ai crevé la faim à accueillir des régimes de bananes à les plantations de Panama. Je suis revenu avec la fièvre, je suis revenu avec du fric, je suis revenu avec la fièvre du fric. Quand on n'y comprenait plus rien, comprenez-vous ? J'exagère. Pas du tout, et j'en dis le moins possible pour ne pas suffoquer le lecteur qui, si c'est lire entre les lignes, en trouvera suffisamment pour prendre feu à son tour et puis peut-être fiche le camp ou laisser partir son gosse qui, à son tour, aura 15 ans et deviendra je ne sais qui, hein? Chiang Kai-shek ou un autre.